Eh bien, bonjour à toutes et bonjour à tous, c'est Pink Julia et aujourd'hui je vais vous présenter mon deuxième épisode de Marvel Snap, un jeu free-to-play qui est vraiment bien, hein. J'avais bien aimé hier y jouer, donc on va améliorer les cartes déjà. Nightcrawler. Donc j'ai eu Wolfbane, 3 d'énergie et 1 de, comment dire, de puissance. Pour chaque autre carte que vous avez ici, puissance plus 2. Okay. On va faire Abomination également. En 3D. Oh. Elle déchire quand même. Plus 2 direct et White Tiger. Ajouter un tigre de puissance 7 à un autre emplacement. 5 pour 1, c'est cool. Ça fait 2 cartes si on la joue. Et celle-là, Nighthawk. Ok, pardon, excusez-moi, j'ai dit des bêtises. En 3D, ok. Si vous jouez une carte ici au tour suivant, puissance plus 2. Voilà. Plus 2, donc on déverrouille Odin en prime. Active les effets révélés de votre autre carte à cet emplacement. C'est cool, ça fait 6 et 8. Il faudra que je regarde. Hop, ici. Alors, j'ai eu. J'ai 3 pour 1, 3 pour 2, j'ai pas celui-là, c'est quoi? Pour chaque carte adverse à cet emplacement, puissance plus 1. Wolfbane, pour chaque autre carte que vous avez ici, puissance plus 2. Je vais peut-être mettre Wolfbane à la place de The Punisher. Je suis pas sûr. 5 pour 20. Odin, 6 pour 20. Pour l'instant, je vais pas changer mon deck. On va faire une partie. Mission, j'ai réussi une mission. Ah oui, atteindre le niveau de collection 12. Donc ça c'est fait. Voilà. Ah, le season pass, j'ai passé. Donc j'ai l'avatar de Colossus. Et le prochain c'est 20 boosters. Donc, on va faire une partie. Je ne sais pas si mon épisode durera 1 heure. Je verrai bien. Après chaque tour, puissance plus 1 aux cartes posées ici. Voilà, déjà, on va mettre Quicksilver. Il y a 2 écureuils. Et ici, c'est continue, les effets sont doublés ici. Si cette carte est à l'emplacement du milieu, puissance plus 2, je vais mettre Médusa direct. Donc ça fait directement 4. Et là, au cinquième tour, toutes les cartes doivent être jouées ici. Si votre adversaire a joué une carte ici pendant ce tour, puissance plus 3. Je vais mettre ici un sentinelle.
et mettre ici Starlord. Ah bah, ok, il y en a joué une. Par contre, je l'aurais peut-être pas. Ah, ça fait ça. Gagner ou perdre double appel de 3-6. Vous pensez que vous allez perdre en battant votre commande. J'ai la... Ah zut. Non, faut que je la gagne. Ah oui, merde. Allez, jette. Mais le dernier tour, je vais mettre Hulk ici, comme ça va me faire. De toute façon, celui-là, je l'avais déjà perdu. Voilà, comme ça, je gagne directement deux emplacements. Donc, une nouvelle victoire pour moi. Je peux pas améliorer Iron Man. Il n'y a rien d'autre que je peux prendre. Il n'y a pas de... peux en avoir gratuit. Dans 16 heures. Donc s'il y a des journalières, 50 crédits. La mort. On joue contre la mort, c'est génial. Donc ici ça donne quoi? Mélanger 5 cartes cailloux à chaque deck. Donc maintenant. Pardon, excusez-moi. Si vous n'avez qu'une carte ici, puissance plus 5 à la carte. Je vais attendre de pouvoir placer Hulk ici en fait. Les autres ils servent à rien aussi. Le terminer, je peux pas en mettre en fait. C'est chiant. Pour purée, il a mis directement Hulk. Utilisez le snap. Le nombre de cubes pour lesquels vous êtes en train de combattre va doubler. Non, je ne bats pas en retraite. Finisher pour chaque adversaire. Je vais mettre ici Finisher. Comme ça, il y en a le droit de jouer 4. Peut-être. 14, ça va pas le faire. 14 à 8 ici. Je peux rien faire. Ça me gonfle. Je vais le mettre. 15. Bon, bah, je crois que ça sera la première défaite que j'aurai. Ouais, ce sera vraiment la première défaite que j'aurai, malheureusement. Oui, non, mais je ne vais pas battre en retraite, je m'en moque. Voilà, bon, bah, j'aurais perdu. Pour une fois, j'aurais perdu le... Voilà, défaite. Pour toutes les victoires que j'ai eues, franchement, c'est pas encore trop grave de perdre une partie, quoi. Alors, puissance plus 2 aux cartes ici. Non, puissance moins 2. Fait chier. Je suis obligé de jouer celle-là.
Moins 1. Ajouter une carte écureuil à chaque emplacement. Elle est à moins 2, je suis à moins 1. Alors, puissance moins 3 aux cartes ici. Oh lolo, c'est hallucinant. C'est vraiment que du moins ici. Ici, votre adversaire a le moins. Alors, je suis sûr qu'il va la jouer au milieu. Je vais la mettre là. Ah non, même pas. Il a joué à gauche. C'est pas juste ça. Ah, je suis à 0. Alors là, il faut bien la jouer. Si vous jouez une carte ici au tour suivant, puissance plus 2, je pourrais pas. Double les points. Je vais mettre celle-là encore ici pour espérer marquer quelques points. Celle-là, c'est. Vous jouez une carte ici au tour suivant. Non. Je vais la mettre ici, tant pis. Execo. Donc ça, elle tombe à 9, mais je suis sûr de l'avoir. Il ne pouvait plus jouer de carte, donc c'est la victoire pour moi. On va refaire une partie. Donc à mon avis, cet épisode va être un peu plus court quand même. Parce que les effets se déclenchent deux fois à cet emplacement. Alors, je vais jouer une carte ici au tour suivant. Je vais mettre celui-là là, comme ça après je mettrai là aussi. Je vais jouer une carte ici. Comme il se fait deux fois. Comme ça, ici, j'ai 7. Alors. Défausser une carte de la main de chaque joueur. Merci, sympa, c'était l'une de mes plus fortes en plus. Et ici, après le troisième tour, ajouter une carte aléatoire ici pour chaque joueur. On va essayer d'avoir sur les côtés.
Oh, j'ai aux dents. Oh, retirer les capacités continues de toutes les cartes à cet emplacement. Ça fait 8-8 ici. The Punisher. Je vais mettre The Punisher au milieu. Comme ça, il y aura déjà plus de points ici. Comme ça, le prochain, je jouerai pas là. Je le jouerai peut-être au milieu ou ici. Ah, ça va être arme de la. Oh, ouais. Ah, ah, et j'ai eu la victoire. C'est une nouvelle victoire pour Ping Julia. C'est cool. 6 sur 10. Et je peux augmenter le Punisher que je vais faire tout de suite. Briscadre. Et je monte dans. J'aurai que 25 crédits. J'aurai une carte mystère. Après, c'est que des cartes mystères. Donc, faudra vraiment. Gagner et augmenter les cartes quand même. Quoi ça? Ah. Sans crédit, ça se prend. Après c'est 20 boosters. J'ai réussi deux missions. Sans crédit, 10 heures et sans expérience de Season Pass. Donc ça se prend quand même, franchement. Gagner avec Spectrum, mais je n'utilise pas Spectrum. Hop, on est reparti. Alors, si vous n'avez qu'une carte ici, puissance plus 5. Ah, là, plus 5, ça fait. Je vais me mettre là. Parce que celle-là, je préfère attendre le dernier tour pour mettre une grosse carte en fait. Au sixième tour, vous pouvez déplacer des cartes à cet emplacement. Ok. Donc, je suis là. Je vais mettre une sentinelle ici. Puissance plus 2 à votre prochaine carte jouée. D'accord. Donc, vaut mieux en jouer une grosse. Alors, tour 3, qu'est-ce qui se passe ici? Après le cinquième tour, passez une carte de la main de chaque joueur ici. Ok. Alors,
On va remettre une sentinelle ici, comme ça on passe à 6. Et Nightcrawler, on va le mettre ici. Comme ça, on se met des points. Et ici, je mettrai style la chose ou Hulk en fait. Ça fait 4 4 ici au milieu, donc 1 Médusa. Je vais la mettre au milieu directement, Médusa. Et je vais mettre Star-Lord ici. En espérant qu'il joue ici. Même pas, il n'y a pas joué ici. On reste égalité au milieu. C'est. Oh, c'est le dernier tour déjà. Incroyable. Ah non, il me semblait que c'était après le dernier tour. Bah oui, 5 sur 6. Je vais mettre Iron Man ici, ça va me doubler mes points. Ouais. Comme ça me fait 16 et je prends la tête. Merde, il m'a mis la chose ici. Je vais snapper. Ici c'est 9, même quand j'en ai 2. Par contre, je peux plus jouer là. Fier. Plus 5, donc ça fait 7. 7 et il gagne plus 5, non, ça ferait que 8. Non, ça va pas le faire. Ça va pas le faire. Je peux pas la jouer, sinon il faut que je la joue là. Je vais terminer comme ça, je verrai bien. Je verrai bien. Il a battu en retraite. J'ai gagné. Il a battu en retraite. C'est dommage. Jessica Jones, je peux l'améliorer. En 3D. C'est cool. Plus 2, donc j'ai mes 25 crédits. Il ne me reste plus qu'une pour avoir une carte mystère. J'ai réussi 2 missions. Voilà. Season Pass, pas encore. Alors, après le troisième tour, ruiner un emplacement aléatoire. Oula, ça va pas le faire ça. On met ça déjà ici. Mantis, si votre adversaire a joué une carte ici pendant ce tour, vous piochez une carte de son deck. Ah ah ah. Non, c'est pas laquelle c'est, dommage. 2-2. Révéler les effets de déclenchement de feu à cet endroit. Bon, j'espère qu'il va jouer une carte au milieu, qu'il va me suivre. Ça serait bien. Même pas, dommage. J'aurais gagné le truc. Et là. Ajouter une carte aléatoire à la main de chaque joueur. Ah, j'ai pas. Je peux pas jouer. Dommage. Dommage, j'ai perdu un tour. Pour rien. Là, il va reprendre le Bane. Ah, bah, il est terminé.
Bon, en fait, ça fait rien. Donc j'ai 4 points. Moon Girl, révélez, duplique votre main. Alors, je vais la mettre ici, Moon Girl. Médusa, elle ne regagnera pas de points du fait qu'elle est sur un des côtés. Je vais mettre Jessica ici et je ne rejouerai pas de carte ici, j'irai le jouer au web. Comme ça, comme elle sera dupliquée, je mettrai 8 points sur chaque côté en fait. Je vais mettre une Jessica Jones ici. Et là, je peux pas jouer. Donc, je vais mettre une sentinelle ici. Je vais snapper comme ça. Je double les points. Spider-Woman inflige puissance moins 1 à toutes les cartes ennemies ici. Non, ça c'est con. elle a 24, donc ici je vais lâcher. Ah bah, j'ai gagné. On n'était pas arrivé à la fin. Je sais pas. J'ai pas pu augmenter la chose. On va en faire une. Après le troisième tour, mélangez votre main à votre deck, permet de piocher trois cartes. Je vais le mettre là. A marqué 4 points sur le premier. Quand vous jouez une carte ici, mélangez 3 cartes cailloux à votre deck. Hop, je vais le mettre là. Au pire, celui-là du milieu, j'essaierai de pas mettre de cartes pour pas avoir des cailloux en fait. Ça va se battre pour Attilan. Quand vous jouez une carte ici, ajoutez une copie à votre main. Je vais mettre The Punisher à gauche. Comme ça, ici, je vais mettre celle-là, Jessica Jones, à la prochaine. Comme ça va me dupliquer. Oh, j'ai eu de la chance quand même de retirer Jessica Jones. Ici, je peux pas en remettre, mais elle s'est dupliquée, donc je vais mettre celle-ci à Attilan. Et celui-là, voilà, je vais la mettre ici. En espérant gagner quand même.
5, ça fait 13. Purée, il y aura plein de cailloux dans son deck, lui. Moi aussi, je vais en avoir en plus. Et on est parti pour le dernier tour. Donc ici, c'est... Comment dire? Faut que je joue ici. Donc j'ai 6. 6. Je vais mettre Abomination, ça va me faire peut-être gagner le match. Il me reste 1. Mais celui-là, normalement, elle va être, comment dire, doublée, puissance. Donc, j'ai snappé et je fais le dernier tour. Comme ça, ici, je regagne. Ici, je gagne. En fait, j'aurais gagné, comment dire, les trois terrains. C'est cool. Et en ayant snappé en plus, donc 8. J'ai rien à déverrouiller. On va peut-être faire ouais, un dernier match. Puis après, j'arrêterai là. Parce que j'ai des choses aussi à faire quand même. Alors, ici, ruine. Ruine, bon, il n'y a rien en fait. Ça donne rien. On va mettre tout de suite. Bon, alors il n'a pas pu jouer, mais ça ne veut pas dire que on va gagner. Les effets se déclenchent deux fois à cet emplacement. Ah bah, regardez, moi je peux pas jouer ce tour-ci. Lui, il pourra peut-être jouer. Forge, il a marqué qu'un point. Mélange 5 cartes cailloux. Ah, purée, non. Pour chaque carte adverse à cet emplacement. Ici, comme ça, il va passer. À 5. Donc pour l'instant, je l'ai. Celui-là, je m'en moque un peu. Je vais essayer de ne pas en mettre ici. 4. Rien révélé. Vais mettre Jessica Jones ici, comme ça elle va tripler ses points en fait. Khazar, je sais pas s'il fait quelque chose, Khazar. Une puissance plus 1. Ah, Médusa, ouais, mais je peux pas le mettre là pour l'instant. Double les points. Double les points, ça me ferait 10 ici. Et si je mets, ça me ferait 11. Donc je vais mettre The Sink là. Même chose. C'est excellent comme jeu parce que c'est vachement tactique. Vous avez vu, ça a triplé mes points ici de Jessica Jones. Là, je m'en moque en fait, il peut l'avoir. Moi, j'aime faire surtout ici en fait. Je vais snapper comme ça va doubler les points. Et il a battu en retraite en fait, il a eu peur. C'est dégueulasse. On peut pas encore améliorer de carte. Allez, encore un petit. J'adore ce jeu, hein, c'est vachement tactique, faut réfléchir rapidement et tout ça, c'est excellent. Début du sixième tour, échangez vos mains. Ouais, c'est pas cool ça. Médusa, je vais la mettre au milieu. Parce que comme ça, elle gagne. Il n'a pas pu jouer. Après chaque tour, puissance plus 1, c'est cool, bah, faut mettre Médusa ici, ça c'est clair. C'est clair, net et précis, parce qu'elle gagne des points. Il n'y a plus joué cette fois.
5-2. Et elle, elle fait quoi quand vous jouez une carte ici, puissance plus 2. D'accord. Et puissance moins 1 aux cartes ici, aux égouts. Une carte ici au tour suivant, puissance plus 2. Pour chaque carte, c'est emplacement, puissance plus 1. Je vais la mettre avec Medusa, le Punisher. Comme ça. Ça lui fait perdre 1, c'est dommage. Et lui aussi, il ne fait que 2. Par contre, là, j'ai 10, 3. Si vous jouez une carte ici au tour suivant. Moi, je vais le mettre là. Et lui, je vais le mettre ici. Là, je snap. Non, je peux pas encore snapper. On va bien snapper. Si, je peux snapper. Ici, j'ai largement le demi. Par contre, ici, je mettrai Jessica Jones ici. Voilà. Multiplie, ça fait 8. Je le garde quand même. Ah non, purée, il passe devant moi. Là, ça fait 8-3. Bon, qu'est-ce qu'il y avait de beau, lui? Pour chaque autre carte que vous avez ici, puissance plus 2. Et Ant-Man, il fait quoi? Si vous avez 3 autres cartes ici, puissance plus 3. Voilà, ça fait 1, ça fait 4 points en plus. Je peux l'avoir s'il joue pas là, par contre. S'il joue pas là, j'aurais pu l'avoir. J'ai peur qu'il fasse. Je vais mettre ça là, comme ça je perds un point, mais je le gagne. Et je vais mettre Ant-Man ici. Ah non, je peux pas parce qu'il y a Jessica. Merde, je suis un peu bloqué là. Je vais mettre celui-là là. Celui-là là. Voilà. Comme ça, elle le double ses points. Parce qu'elle n'a pas encore doublé en fait. Failli faire une bêtise, on va pas la faire doubler ses points. Oh, 44. Purée, c'est vraiment du gros là. Et j'ai bien fait de snapper. Comme ça, j'ai encore eu 8 cristaux. Sentinelle, on peut pas l'améliorer. J'ai rien déverrouillé. Il reste combien de temps avant de. Ah, toutes les 8 heures, ouais, donc ça va être ce soir, ça, que je pourrais refaire. Il est que. Eh bien, j'espère que cet épisode vous aura plu. Je vais vous laisser là pour cet épisode, alors un peu plus court que d'habitude. Il fait oui, une quarantaine de minutes, ça va, c'est raisonnable. Et si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à me liker, à vous abonner à ma chaîne ou à me mettre un commentaire. Cela me fera très plaisir. Et je vous dis. À bientôt, bonne journée, bye bye!